Salut les geeks, bienvenue pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui là, wout wout. Ouais, on va la montrer comme ça parce que ils font des économies. Ouais, ils collent directement les adresses directes sur le papier. On la reçoit direct sans carton maintenant, allez hop à l'arrache, on y va. Et attends, on saura les goodies dans une poche. Donc la Wootbox sur le thème Magic. Fantasy, c'est ça, voilà. Avec dedans, ils avaient annoncé du Game of Thrones, du Legend of Zelda, du Harry Potter, bref, que du lourd. Que des bonnes licences. La Wootbox comme d'hab, le petit lien de parrainage dans la description, vous aurez 5€ de remise sur votre box, n'hésitez pas à l'utiliser les amis, ça fait toujours plaisir pour nous comme pour vous. Et on y va. Allez. Un petit coffret. Ah, on dirait Crash, non? Ah, peut-être pas. Allez, vas-y. Donc comme d'hab, on pioche chacun un objet et on vous le présente. Et le magazine. Donc c'était bien ça, Magic. Allons-y. Qu'est-ce qu'on a de beau? Qu'est-ce que c'est? Oh, un œuf. Ah, c'est une bougie. C'est une bougie? Ouais. Ah ouais? Une bougie Game of Thrones. Ah, une bougie Game of Thrones. Bah, ça, c'est bien original par contre, parce que c'est bien la première fois qu'on a ça. Un œuf en forme d'œuf. Un œuf de. Je sais pas si ça. L'œuf de Daenerys, enfin des œufs de dragon de Daenerys. Ah ouais? Non, ça sent pas. Elles sont pas? Non. Ah, elles sont stylées. Ah, c'est très joli. C'est original, je dois bien l'avouer. Et une pomme de pain. Mais une pomme de pain. C'est original, donc c'est la marque Insight Luminaries. Ok, bon. Produit officiel, HBO, bon. Pourquoi pas? Ça change. C'est ça. Ça aurait été plus sympa une bougie dans ce style. Ouais, mais bon, ça va. Et c'est la première fois qu'on a des bougies pour le coup. Ouais. Bon, allez à moi, qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? Oh, il y a un truc énorme. Ouais, c'est là. Bon, allez, on a ça. Qu'est-ce que c'est? On était au courant là. Bah, il l'avait spoilé de toute façon. Waouh! Une nouvelle Q-Fig. Alors là, ouais, ils sont vraiment fans des Q-Fig en ce moment. Ouais. Les Funko là, on en a plus beaucoup chez Wootbox, c'est beaucoup des Q-Fig. Et là, c'est celle de Harry Potter. Ils ont peut-être senti le vent tourner. Ou celle de Harry Potter. Ouais, peut-être qu'ils veulent vendre. Allez, très joli. Allez, on vous la débat celle-ci parce que nous, les Q-Fig, vous le savez, on les collectionne pas toutes, donc on va pas vous faire de vidéos. Quoique maintenant, on commence à en avoir pas mal. Elles sont jolies. Hein. Le détail est vraiment oufissime, quoi. C'est vrai que. Le détail est... à plus les aimer que les Funko. J'avoue que, en fait, c'est le détail qui est vraiment super sympa. Hein. Non, puis elles sont tout le temps en mouvement, elles sont vraiment hyper belles. Ouais. Waouh, très jolies, putain. Avec la petite baguette et tout. Ouais, l'effet du balai. Puis l'effet du vent. C'est super joli. Tout est en dur. Non, ça va, je suis d'accord avec toi. J'avoue que les Q-Fig, plus ça va et plus je les kiffe. Elles sont vraiment. First Flight. Ah, son premier son vol. Son premier vol, ouais. Ah, énorme. Non, c'est... Ah, elles sont très jolies. J'avoue, elle est très très belle avec l'écharpe qui vole au vent. Ça change. Une très belle figurine. Non, c'est. Allez-y, à la limite, j'ai envie de dire Wootbox, continuez les Q-Fig, c'est très bien. C'est un peu moins enfantin que les pop. C'est vrai, il y a plus de travail, c'est plus détaillé. Bon, c'est pas mal du tout. Allez, vas-y, à toi. Donc, il y en a eu, il manque il y a du Legend. Ouais, le t-shirt. Le t-shirt, s'il vous plaît. Ouais. Pas, bon, bah, c'est le dernier Woodies. Ah ouais, bah en même temps. Ah non. Non. Ah non, il y a un. Allez, vas-y. Un t-shirt, Legend of Zelda. Il y a un livre. Ah, The Witcher. Ah non, c'est The Witcher. Tiens, c'est même pas les. Bah, je croyais qu'il y avait du Zelda alors. Bah, il reste un livre. Ah, d'accord. Enfin, un livre ou un truc dans ce style. Donc là, c'est un t-shirt The Witcher. Ok. Et c'est un t-shirt officiel. Ça, c'est cool par contre, Wootbox. C'est très bien. Un beau t-shirt officiel. Ah non, je l'ai pris à l'envers. Plus dirais ça, c'est DBZ. Il est bizarre. Alors, je croyais que c'était DBZ. Ah ouais, c'est vrai que de l'autre côté, on dirait Goku en Super Guerrier. Alors, du coup. Ah, sympa avec la tête de Wayne Zodar. Ouais. Ah, tu crois? Ouais. Regarde. On sent que ça brille ça. Ouais, peut-être, ouais. Ça brille. Ah ouais, un beau t-shirt, donc du coup, The Witcher. Bon. Après, on est moins fan de la vie, ça fait un loup. Ouais, c'est ça. Par contre, taille L, avec un t-shirt US, je sais pas, il est. C'est un grand L. Il faut qu'on. J'ai pensé à ça, on va changer la technique du t-shirt, on va mettre un simple, je pense, ici, on pourra le clipser, c'est directement dessus, ce sera plus sympa. Parce qu'on galère à chaque fois à glisser dessous. Ouais, on va clouer au mur, t'en vas être contente, tiens. Et enfin, on finit, et qu'est-ce qu'on a du coup? C'est un petit carnet. Zelda. T'as raison. Un petit notebook, donc The Legend of Zelda, donc voilà, avec donc, les clés du boss, etc. Et donc Hyrule, bon après c'est... C'est un notebook, bon c'est mignonnet, mais c'est du paladonné, mais c'est mignonnet. Et pas mal. il reste le petit pins, et du coup, full metal alchimiste, c'est ça. Ouais. Full metal alchimiste, ou alchimiste, voilà, avec Alphonse dessus, ou Edward, non Alphonse je crois. Alphonse, ouais. Et donc la box est bien vide, et c'est une belle box imprimée donc sur l'univers magie, waouh. Pour faire, remarque, on joue à Unlock, ça serait pas mal. Ouais, ça fait un petit coffre. Voilà, bah écoutez, cette box touche à sa fin. Ouais, bon après, il n'y a pas beaucoup de contenu, mais c'est pas mal, le contenu est de belle qualité, la Q-Fig est magnifique. Oui, déjà la Q-Fig, un t-shirt officiel. Un t-shirt officiel, la petite bougie c'est sympa, c'est original, après bon, ça, ok. Pour ça, un bloc note c'est toujours utile, c'est pas, pour faire des dédicaces en convention. Et, le petit magazine, on l'a oublié, le petit magazine Woot Woot. Alors, comme d'habitude, la communauté des Wooters, est-ce que vous êtes dedans, on connaît personne? On l'a pas eu ce t-shirt Gardien de la Galaxie. Ah non, c'est Halo. On l'avait eu, Halo, ouais, si, on l'a eu. C'était la Wootbox Space.
On avait eu un Futurama. Ouais, ouais, il me semble qu'on a vu Bender, ouais, mais ça remonte ouais, déjà. Putain. Ça remonte, ouais. Ouais. On l'avait eu. C'est passé du mois dernier. Si, parce qu'il y avait Biff Tannen. Non, c'est passé du mois dernier. Hein, ah oui, d'accord. Ah oui. C'est celle d'avant, en fait. Comme ils impriment avant, non, c'est passé du mois. Ah oui, je croyais que c'était. Oh, bah oui, du coup, Spiro, forcément. Forcément. Très gros retour. Ah, bah, ça. Il est attendu par beaucoup de monde, et nous en particulier. Ça, ça va être excellent. Alors, la Mega Woodbox. La Mega Woodbox. Oh. Oh là là. Ah, il y a une iWatch à gagner, quoi. C'est cool, j'en veux une. Ah oui. Impeccable. Oh là là. Putain, Durama. Il y avait une figurine de 33 cm du marcheur blanc. Donc pour ceux qui connaissent pas la Mega Woodbox, c'est une grosse box que vous pouvez gagner si vous êtes abonné, ah, il y a 3000 euros. Le château de Poudlard, wow, ça sublime. Est magnifique. Ça sublime. Pour les collectionneurs, ça va être un sacré cadeau. Ouais. Alors, Lord Humphrey. Ah oui, c'est un bâton. Ah, le bâton de magique de Gandalf. Ouais, énorme. Putain, 200 balles quoi. Le truc, c'est un bâton officiel. Quoi. Bah, comme les balais, hein, les balais Nimbus, ça de chez Noble Collection, ils coûtent une blinde. Une Apple Watch, 269 ouais, euros. Puis un petit kit gaming. C'est laquelle ça? Ça doit être la génération 2. C'est la 3 ou la 2, tu crois? C'est la 2 parce la que 2. 269. Ouais, la 2, la et puis un petit PC Lenovo. Voilà, avec un petit jeu avec de un petit jeu. Normal, ouais. Ça passe. Bah écoute, hein, s'ils veulent nous l'offrir, on est preneur. Ça passe bien. On est preneur, y'a pas de soucis. Ça passe crème. Et après, donc c'est la review de tous les goodies. Bah, donc la Q-Fig, il y a avec ça. La Q-Fig, là vous le savez. La bougie, c'est pareil. Le t-shirt, est-ce qu'ils disent? Non, ils disent pas qu'il est Glow in the Dark. Glow in the Dark celui-ci. Mais oui, j'ai l'impression. Et le thème du mois prochain, donc on le sait, on est un petit peu en retard. Non, c'est pas festif, c'est Fear, peur. Ils annoncent dedans du film. Ah, il c'est un clown. Le clown tueur, etc. Ils annoncent Chucky, des trucs de ouf. Ouais, bon, Stem, ça va pas être terrible. Non, ça. Stem, j'y crois pas trop. Même. Ouais. Bon, en tout cas, on va lui mettre une petite note à cette box. Comment tu lui mets, toi? Moi, je mets 7. Ah moi, ouais. Je mets 7, ouais. Moi, je mets 6 sur 10. Ouais. Moi, je mets un petit 6. Et le goodies que j'ai kiffé, moi. Bah, la Q-Fig. La Q-Fig, bien sûr, ça c'est trop beau. Très très bien. Continuez à mettre des Q-Fig si vous voulez. Ça c'est bien ça. Q-Fig ou pas, ou Funko. C'est clair. Bon, voilà. Bah, écoutez, cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quel objet que vous avez fait kiffer. Si vous voulez une lootbox, le petit lien dans la description, comme d'habitude. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux aussi. On est toujours là, présent. Et on vous prépare des prochaines vidéos au top, les amis. Allez, à bientôt. Ciao.